sûr, forcément. Merci. Chers frères et sœurs dans le Christ, vous disséminés à travers toute la Guadeloupe et qui, grâce à Radio Massabiel et aux télévisions, pouvez participer à cette messe des rameaux. Ici, dans notre cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe à Basse-Terre, et en ce début de célébration, début de Semaine Sainte, nous nous souvenons que pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage durant ce temps de carême, commencé fin février et tout au long du mois de mars. Un carême particulier à tous égards, puisque nous ne pouvons pas nous rassembler comme nous le faisons d'habitude, mais nous sommes cependant ce matin dans une immense communion, ici dans notre diocèse et dans le monde entier, avec les chrétiens qui entrent dans la Semaine Sainte. Au début de cette Semaine Sainte, nous commençons avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, nous nous souvenons que le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Et nous mettons notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix, pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Prions le Seigneur. Augmente la foi de ceux qui espèrent en toi, Seigneur. Exauce la prière de ceux qui te supplient. Nous tenons à la main ces rameaux pour acclamer le triomphe du Christ, pour que nous portions en lui des fruits qui te rendent gloire. Donne-nous de vivre comme lui en faisant le bien. Lui qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quelques jours avant la fête de la Pâque, du mont des Oliviers. Alors, Jésus envoya deux disciples. Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée à son petit avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Et si l'un de vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, mais il les renverra aussitôt. Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent
et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit âne, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux !» Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville. On se demandait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Et voici que, comme les foules de Jérusalem, nous aussi nous avançons dans cette église en chantant « Hosanna !» au plus haut des cieux. Et vous qui participez à cette messe, si vous avez des rameaux en main, vous pouvez aussi les brandir et chanter « Hosanna au plus haut des cieux ». Heureux de vous compter parmi nous depuis la cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe à Basse-Terre, l'église mère du diocèse. Nous vivons ensemble cette messe du dimanche des Rameaux, célébration présidée par Mgr Rio Creux, l'évêque de notre diocèse, et concélébrée par le père Gérard Foucan, curé de la cathédrale, et le père Bonnel Saint-Fleur, un vicaire de cette cathédrale de Basse-Terre. En ce dimanche des Rameaux, nous entrons dans une semaine sainte en confinement et nous continuons à vivre ce carême de réalité liée aux restrictions imposées par la lutte contre le coronavirus, raison pour laquelle nous vivons cet office dans une église sans fidèles, une messe à huis clos que nous partageons en union fraternelle de prière avec vous tous qui nous regardez ou nous écoutez. C'est l'occasion pour le diocèse de Guadeloupe de remercier l'ensemble des médias partenaires qui vous permettent de vivre ces instants. Entrons donc dans cette célébration particulière. Et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie, reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant,
Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. La liturgie du dimanche des Rameaux est très sobre, avec deux textes qui sont proposés avant la lecture de la Passion. Isaïe, le grand prophète, 7 siècles avant Jésus-Christ, qui conforte le peuple dans la détresse pour lui dire que le Seigneur est le secours de son peuple. Puis l'hymne au Christ dans la lettre de Paul aux Philippiens au chapitre 2. Et en ce jour, nous lirons la Passion selon saint Matthieu. Du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur.
De la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens.
le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : Que voulez-vous me donner si je vous le livre ? Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ? Il leur dit : Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui : Le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour. Serait-ce moi, Seigneur ? Prenant la parole, il dit : Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. Rabbi, serait-ce moi ? Jésus lui répond : C'est toi-même qui l'as dit. Pendant le repas,
Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donna aux disciples, il dit: « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant: « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes et partir pour le mont des Oliviers, alors Jésus leur dit: cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit: je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Prenant la parole, Pierre lui dit: si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. Jésus lui répondit: amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. Pierre lui dit: même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvient avec eux un domaine appelé Gethsémani et leur dit: asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. Il emmena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, et commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors: mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait: mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Et il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre: ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement une heure avec moi? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria pour la deuxième fois. Il disait: mon Père, si cette coupe peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau il s'éloigna et pria pour la troisième fois, en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit: désormais vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'il est proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des douze, arriva, et avec lui une grande foule, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe: celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit: salut, Rabbi. Et il l'embrassa. Jésus lui dit: mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui était avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit: rentre ton épée
car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père ? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi ? À ce moment-là, Jésus dit aux foules : Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons ? Chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors tous les disciples abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance. Jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta deux qui déclarèrent « Celui-là a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit, « Tu ne réponds rien. Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit, « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond, « C'est toi-même qui l'as dit. » En tout cas, je vous le déclare. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis? Et il répondit, il mérite la mort. Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant, « Fais-nous le prophète au Christ, qui t'a frappé ?» Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tout le monde et dit, « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Une autre servante le vit sortir en direction du portail et elle dit à ceux qui étaient là, celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre. Sûrement, toi aussi tu es le d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. Alors, il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Et sortit et dehors pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit, « J'ai péché en livrant à la mort un innocent. » Et ils répliquèrent, « Que nous importe, cela te regarde. » Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent, « Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie.
et ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara. « C'est toi-même qui le dis. » Mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit. « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit. « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus appelé le Christ ?» Ils savaient en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire. « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit. « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent. « Barabbas. » Pilate leur dit. « Que ferais-je donc de Jésus appelé le Christ ?» Ils répondirent tous. « Qu'il soit crucifié. » Pilate demanda. « Quel mal a-t-il donc fait ?» Il criait encore plus fort. « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Tout le peuple répondit « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants !» Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, et s'agenouillait devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et leur réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Ils restaient là, assis à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même si tu es fils de Dieu et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant « Il en a sauvé d'autres. Il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il aime. Car il a dit « Je suis fils de Dieu. » Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la sixième heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Vers la neuvième heure, Jésus cria d'une voix forte. « Élie, Élie, lama sabachthani !» Ce qui veut dire « Mon Dieu,
Pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire. Les autres disaient « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvaient Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant, 3 jours après, je ressusciterai. » Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple, il est ressuscité d'entre les morts. De cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara, vous avez une garde, allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre, en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Veuillez vous asseoir un instant. Le silence. Le silence devant la mort. Le silence de Jésus. Une seule parole sur la croix. Et nous l'avons chantée dans le psaume. Eli, Eli, lama sabachthani, et dans le texte en hébreu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et nous aussi, devant les drames, le drame que nous vivons, le silence devant tous ces morts,
Et la question, pourquoi ? Et dans cette question, il y a aussi pour nous cette réponse qui nous est donnée par le Christ qui est venu souffrir, qui est venu mourir. Dieu n'est pas venu expliquer la souffrance. Il est venu la remplir de sa présence. Paul Claudel, qui a fait l'expérience de la conversion subite à Notre-Dame de Paris à Noël 1886. Il est venu remplir de sa présence. Et avec toutes les questions qui sont en nous, et peut-être celles des enfants et des jeunes qui ont envie de sortir de la maison et qui se demandent pourquoi. Et parents donnent la réponse, celle de la nécessaire protection, comme devant toute épidémie ou toute peste, ou toute pandémie. Il suffit d'évoquer la grande peste de 1346 ou le choléra dans les années 1880 en France qui ont fait des milliers et des milliers de morts. Et nous, de même, on veut se protéger. Et c'est bien normal et c'est ce qui nous est demandé, c'est ce qu'il faut faire. Mais la question récurrente, pourquoi ? Dans les nombreux échanges que nous pouvons avoir les uns avec les autres, à la maison, ou par les réseaux sociaux, en nous envoyant des messages, des questions, des réponses, ou en téléphonant tout simplement, pour prendre des nouvelles de ceux que nous ne pouvons pas voir. Et comme il est bon et comme il est important de pouvoir être proche, même si on est loin, même si on est confiné. Et voici qu'un ami, journaliste de l'autre côté de l'Atlantique, chrétien, une réflexion personnelle. Pendant que je taillais dans mon jardin, le judaïsme, puis le christianisme nous ont appris et répété que Dieu se manifeste dans l'histoire et nous le connaissons ainsi depuis des siècles et même des millénaires. Aussi, dans les événements actuels, il est historiquement et mystérieusement présent. Et Jésus nous l'avait dit, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Certes, les Hébreux ont récriminé contre Yahvé auprès de Moïse 1200 ans avant Jésus-Christ. Mais sans le rejeter. De même, lors de la ruine du temple de Jérusalem et de la ville de Jérusalem, on connaît dans l'histoire, 587 avant Jésus-Christ, la déportation, la destruction du temple. Événements tristes qui n'ont pas amené à nier l'existence de Dieu, mais à s'interroger sur sa présence mystérieuse dans l'histoire, son amour. Et les prophètes ont permis d'expliquer aussi en disant « Vous êtes détournés de Dieu ». Et dans le même temps, ils ont redonné l'espérance en annonçant même qu'un jour viendrait et que Dieu se manifesterait en plénitude. Et nous venons de l'entendre avec Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages et j'ai rendu ma face dure comme pierre. Et il y a 2000 ans,
Jésus. Jésus qui est acclamé lorsqu'il entre en Jérusalem au chant des Hosanna, nous l'avons entendu au début de cette célébration. Et puis, ensuite, cette même foule, à mort, crucifie-le. Alors, direz-vous, cette foule versatile. Et nous-mêmes, nous savons bien aussi comment nous pouvons être changeants et crier Hosanna un jour, et puis, sinon à mort, mais condamné l'autre. Et Jésus qui entre dans sa passion, et nous venons d'entendre dans l'Évangile, à travers la figure de Pierre, prenant la parole, Pierre dit, « Si tous viennent à tomber à cause de toi, à moi je ne tomberai pas. » Et Jésus lui répondit, « Cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. » Et quelques pages suivantes, Pierre, qui suit à distance, nous dit l'Évangile, jusqu'au palais du grand prêtre, et il entre pour voir comment cela finirait. Et vous avez entendu ce dialogue entre cette servante et comment Pierre va renier. Et Pierre qui va pleurer amèrement. Jésus, qui sur la croix va prononcer cette phrase. Et nous les connaissons dans l'Évangile de Jean que nous écouterons le vendredi saint. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Ou encore, tout est accompli. Et ces sept paroles de Jésus, d'ailleurs, ont été mises en musique par un célèbre compositeur, Hind. Et Matthieu va nous donner une seule parole, celle que nous venons d'entendre, et il se trouve qu'en cette année, c'est l'évangile de Matthieu que nous écoutons. Et Jésus qui va dire simplement, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et nous savons bien, nous, dans la foi, et c'est ce mystère de notre foi que nous exprimons en chaque Eucharistie, nous proclamons ta mort, Seigneur, et nous regardons la croix, mais nous célébrons ta résurrection, et nous attendons ta venue dans la gloire. Bien sûr, il y a des choses que nous ne comprenons pas, et dans le même évangile de Jean, il est noté un moment, plus tard tu comprendras. Peut-être aussi c'est le message que nous pouvons recevoir de cette pandémie du Covid-19. Le cardinal André 23, grande et belle figure de l'Église en France, qui vit dans le silence de sa retraite volontairement. Plus de déclarations, une seule, cette semaine. Le titre, « La vulnérabilité est la première leçon de cette crise ». Et il explique comment c'est arrivé chez nous. Et nous qui vivons toujours à 100 à l'heure, et avec les écouteurs dans les oreilles, avec la voiture que nous prenons à toute vitesse. Pourquoi ? Eh bien, voici que nous sommes confinés. Et il n'y a plus de compétition dans le monde ou la concurrence, mais un sort commun, dit-il. Cette vulnérabilité est la première leçon de cette crise. La vulnérabilité des individus qui peuvent être contaminés sans même en avoir conscience. La vulnérabilité du système économique mondial en ce qui concerne les pays occidentaux. La vulnérabilité d'un mode de vie. Et nous prenons conscience qu'il y aura eu un avant et un après lorsque nous sortirons
le plus tôt possible de ce confinement. Cela nous amène à une réflexion profonde. Et nous pensons à toutes ces souffrances. Mais en même temps, à toute cette bienveillance, cette générosité. Depuis 3 semaines, comme j'ai pu le remarquer, dans des petits gestes simples, ou des phrases qui sont prononcées, soudainement, on laisse de côté l'agressivité. On se dit, c'est le leitmotiv, prenez soin de vous, mais en même temps, restez à la maison. Prendre soin de vous, bien sûr, personnellement, mais prendre soin les uns les autres, comme le font d'une manière admirable les soignants. Et c'est tout cela que nous avons à la mémoire alors que nous entrons dans cette semaine sainte. Le carême qui s'achève, ou du moins qui débouche sur cette semaine sainte, avec le début de cette semaine sainte, le dimanche des Rameaux, la passion selon saint Matthieu que nous venons d'entendre, et la passion selon saint Jean que nous écouterons le vendredi saint, et le carême, nous l'avons redit, le temps de prière, le temps de l'aumône, le temps du jeûne. Ah oui, nous sommes contraints au jeûne, sinon de nourriture, mais au jeûne de tout ce qui faisait notre vie habituelle. Et souvent, le carême, c'est un carême d'intention. On dit, on va faire ça. Et depuis la mi-mars, eh bien, c'est devenu vraiment un carême de réalité. Que cette semaine sainte dans laquelle nous entrons soit aussi une semaine sainte de réalité. Tous, nous avons le temps. Le temps de méditer, le temps d'échanger, le temps de s'aider les uns les autres, le temps finalement d'aimer. Aimer Dieu et son prochain comme soi-même, c'est le résumé de l'Évangile, puisque Jésus nous l'a dit. Et non seulement Jésus nous l'a dit, mais il l'a réalisé. Et quand on regarde la croix, nous voyons cette barre verticale dressée vers le ciel comme pour nous dire l'amour de Dieu, mais c'est Dieu qui a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et puis cette barre horizontale pour que nous nous aimions les uns les autres. Puissions-nous vivre intensément cette semaine sainte comme nous avons vécu ce carême. Le psaume 21 que nous avons chanté et que Jésus a repris sur la croix se conclut d'ailleurs par une grande espérance. Tu m'as répondu, Seigneur, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée, vous qui le craignez. Louez le Seigneur. Et les premiers chrétiens, comme Paul, chantaient ce que nous avons entendu aussi dans la deuxième lecture, dans lequel il dit, et les premiers chrétiens disaient cela, Dieu qui s'est vidé en prenant notre humanité, qui s'est anéanti en prenant la condition de serviteur, et il s'est abaissé en devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Mais Dieu l'a exalté. Et toute langue est invitée à proclamer. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen.
ont notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, en ce début de Semaine Sainte, nous venons vers toi avec tout ce qui fait notre vie, cette épreuve dans laquelle nous sommes, nos souffrances, mais en même temps nos espérances et notre bienveillance les uns pour les autres. Famille qu'ailleurs, et elle compte sur notre soutien. Par la chair crucifiée de ton Fils, Seigneur, écoute notre prière. Aujourd'hui, des hommes et des femmes dans la souffrance aiguë ou sourde de leur vie ne peuvent plus espérer. Par le cri de ton Fils en croix, Seigneur, écoute notre prière. Aujourd'hui, des hommes, des femmes, des enfants manquent de nourriture corporelle et spirituelle. Par ton Fils qui offre son corps et son sang pour la vie du monde, Seigneur, écoute notre prière. Aujourd'hui, les communautés chrétiennes d'ici et d'ailleurs célèbrent la vie éternelle que tu offres en ton Fils, et elles te prient pour les victimes de cette pandémie. Par la chair ressuscitée de Jésus, Seigneur, écoute notre prière. Réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
ce dimanche des rameaux, la liturgie insiste sur deux points, les événements tragiques rapportés par le récit de la Passion, mais aussi la puissance et la liberté de l'amour qui permettent de s'affranchir de la peur de la mort. Un amour qui a sa source cachée dans la relation de Jésus à son Père. Durant cette célébration, nous avons médité trois lectures de la parole de Dieu. Celle du livre du prophète Isaïe, où pendant sa passion, Jésus s'est laissé instruire par la souffrance pour savoir réconforter celui qui n'en peut plus. Jésus, abandonné par les foules, qui montera à Jérusalem subir sa passion et sauver son peuple. À travers la lecture de sa lettre aux Philippiens, saint Paul apôtre nous invite à contempler l'attitude de Jésus. Pour nous aimer, le Fils de Dieu s'est fait l'un de nous et il est allé jusqu'à mourir sur la croix. Nous avons pu méditer enfin dans la proclamation de l'Évangile, la passion de Jésus-Christ selon saint Matthieu, récit bouleversant de la souffrance et de la mort du Sauveur. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables. Et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant d'une seule voix. La gloire en
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grandeur de ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Yves ici présent, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier tous ceux et celles qui nous précède dans ton royaume à cause de cette épidémie, et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Vous, petite assemblée dans cette cathédrale, et vous tous qui vous unissez à cette messe, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Du Seigneur. Heureux êtes-vous qui pouvez spirituellement communier en vous unissant à cette Eucharistie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. C'est l'occasion pour nous de vous dire quelques mots sur la communion du désir. La communion du désir, l'union à Jésus dans l'hostie, non en la recevant corporellement et sacramentellement, mais par un désir du cœur procédant d'une grande foi en la personne du Christ Sauveur. C'est un moyen de s'unir au Christ pour toutes les personnes qui ne peuvent pas communier corporellement, comme c'est le cas pour nous tous à cause de ces restrictions du moment. Comme c'est le cas aussi en d'autres circonstances pour les catéchumènes, les personnes âgées ou malades, qui comme nous tous, en ces temps de confinement, n'ont que la messe à la télévision ou à la radio. Et le pape François nous suggère cette prière de communion spirituelle que je vais vous lire. « Je me prosterne à tes pieds, ô mon Jésus, et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et en ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, l'Eucharistie. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur, dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle. Je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi. J'espère en toi. Je t'aime, ainsi soit-il. » C'est donc la prière suggérée par le pape François pour la communion spirituelle que nous vivons en ce moment depuis la cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe à Basse-Terre en cette messe du dimanche des Rameaux.
Qu'il nous soit permis de saluer la performance de l'organiste qui anime cette célébration, Jean-Michel Lesdel, que nous connaissons tous ici, et le chef de chœur, Joël Gustave Diduflo, et le chœur des hommes de Baïf. Prions le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné, dans la mort de ton Fils, l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Quelques annonces et quelques salutations. D'abord pour vous dire qu'il était important qu'à cette messe en privé, porte de la cathédrale fermée, il y ait le curé, le père Gérard Foucan, et le père Bonnel Saint-Fleur, qui a été ordonné dans cette cathédrale il y a un peu plus d'un an, et nous en avons le souvenir, avec diacres et séminaristes et religieuses. Et merci au cœur d'homme d'avoir animé cette messe et ainsi participé, ainsi qu'avec notre organiste, pour rehausser et faire que la liturgie soit belle. Et en pensant à tous ceux qui s'unissent, et qui s'uniront d'ailleurs, puisque tout au long de cette semaine, jeudi saint au dimanche de Pâques, les célébrations seront retransmises par Radio Massabielle, et aussi par Facebook, les réseaux sociaux, et aujourd'hui Dieu m'est témoin, ainsi que les télévisions, et je remercie vraiment chaleureusement tous ceux qui permettent que cette célébration soit faite ici dans cette cathédrale et soit portée dans tout le diocèse des îles du Sud aux îles du Nord et au-delà jusqu'en métropole, en vous saluant vous tous qui avez participé ainsi à cette célébration. Semaine sainte particulière que nous vivrons puisque la semaine sainte est marquée aussi par ce que l'on appelle la messe chrismale. La messe au cours de laquelle les prêtres renouvellent leurs promesses sacerdotales, la messe au cours de laquelle on bénit les huiles et on consacre l'huile du Saint-Crème. Et c'était prévu ici même dans cette cathédrale, mercredi. Eh bien, voici que nous attendons des temps meilleurs, espérons fin mai, pour que ce rassemblement des prêtres et cette messe chrismale puissent être célébrés durant le temps après Pâques. Et aussi, une messe, c'est une participation très concrète. Et ici, nous aimons les belles processions d'offertoires, emmenant les fruits de la terre et de notre travail ici, au pied de l'autel, ou en participant avec la quête. Et vous ne pouvez pas le faire, mais vous pouvez le faire cependant, d'une manière moderne, puisque l'Église de France, la Conférence des évêques de France, a lancé ce que l'on appelle la quête en ligne. Alors il suffit de cliquer sur le site du diocèse ou de la conférence épiscopale et vous pourrez ainsi participer concrètement. Le Seigneur soit avec vous. Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères jusqu'où va le don de sa grâce. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort,
pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous arrivons à présent au terme de cet office du Dimanche des Rameaux depuis la cathédrale de Basse-Terre et nous poursuivons notre montée vers Pâques. Nous voilà invités en ce début de Semaine Sainte à laisser Dieu ouvrir nos oreilles à sa parole qui instruit et réconforte. Osons entrer dans cette dynamique de dépossession qui fut celle de Jésus, conscient qu'il s'agit bien de se vider de soi et d'aller au devant du bien-aimé, le Christ notre Seigneur et notre Dieu, pour mourir et ressusciter avec lui. Les jours saints sont ces jours où nous dressons l'oreille pour bien entendre ce que Dieu veut nous dire et où nous décidons de lui répondre en le laissant transformer notre existence. Nous sommes heureux d'avoir pu vivre cette célébration avec vous. C'était un reportage du diocèse de Guadeloupe. Bon Dimanche des Rameaux à tous, en confinement. Bonne Semaine Sainte. Et belle montée vers Pâques à tous, et surtout, prenez soin de vous.